les amis, bonsoir à tous. Donc ce soir je fais une petite balade. Une petite balade de fin de journée, début de soirée. Dans le quartier de Montmartre. Un peu. Ça bloque un petit peu cette heure-ci. Allez. Taxi est gentil. Laissez passer. Il fait un peu frisquette. Légèrement. Là, nous voilà en bas de Montmartre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il freine comme ça. N'importe quoi. Et voilà. C'est un massien. Nous voilà dans le quartier de Montmartre. C'est un peu calme. On va aller voir en haut la basilique du Sacré-Cœur s'il y a du monde. Souvent c'est rempli de touristes. Chez Francis, le petit restaurant chez Francis. Un petit peu de monde chez Francis. Et en face, c'est Café Francoeur. Pour remonter. Allez mon ami Scooby. Mon ami le Scooby. On remonte la butte Montmartre. Ah, c'est bloqué, il se passe quoi là? C'est un mégane, ça passe hein, ça fait un drôle de bruit. On va lui mettre un échappement tenu si tu veux. Alors où sommes-nous là? On arrive en bas du Sacré-Cœur. On est en bas du Sacré-Cœur. Un peu de touristes. Là, on voit bien. Si vous voyez là. On voit pas mal. Il y a une belle vue. On voit la tour Montparnasse. La grande route Paris au jardin des Tuileries. On a une belle vue, c'est sympa. Sympathique.
Sympathique la vue. Et sur la grille, il y a tous les cœurs des amoureux. On va continuer à monter. Un petit tuk-tuk. Un petit tuk-tuk. Il y a un peu de touristes quand même. C'est pas le désert. Il y a du monde. Il y a du monde. Basilique du Sacré-Cœur. Ouais, il y a du monde, les zombies des... Des plots en béton. Donc, oui, la basilique du Sacré-Cœur. Que pour rentrer. On va descendre après. Il y a du monde quand même. C'est pas le désert. C'est interdit sur le vélo. L'arrière du Sacré-Cœur. Donc voilà la basilique du Sacré-Cœur. Je redescends maintenant. Direction le Moulin Rouge qui est juste en bas de Montmartre. Pas très loin. Oh, même sur les pavés mouillés, qu'est-ce que le crampon, ça tient. Tiens, la chaussée elle est glissante là. C'est glissant. Par contre ça sautille. Ça sautille les pavés. Maintenant on descend. On va faire un petit tour dans le Moulin Rouge qui est pas très loin. C'est un guide touristique ça. C'est sûrement un guide touristique. Et voilà, nous voilà descendus. En bas. C'est sympa ces petites montées en scrambler à Montmartre. Alors. Nous allons faire une petite balade là, direction le Moulin Rouge.
Comble là, elle est partie. Elle est partie du cul, la scramble. Je crois que c'est l'air, la route, elle est mouillée. J'ai senti l'arrière, elle est partie, là, dit. Partie en sucette. Bon, on va rouler doucement, on va accélérer doucement alors. On voit la tour Eiffel derrière, ouais. Ouais, on voit le haut de la tour Eiffel. On n'a pas allumé son... ceci, allumé. Là, je sais pas si vous voyez, on voit la tour Eiffel. Au loin. Elle a allumé son phare. De la tour Eiffel qui tourne. Du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du people. Un feu rouge toi, tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille où le feu rouge ? Parti. Voilà. On va arriver. Moulin rouge. Vous allez voir sur la gauche. Derrière les arbres, le moulin rouge. Le beau moulin rouge qui tourne. Du monde qui prend des photos. Je sais pas si je vais pouvoir passer moi. J'ai bien voulu passer. Ok, si je vais passer. On va passer. Là, vous voyez le moulin rouge là. Oh, moulin rouge. Ferry. La ferry. Ça part, hein. Et voilà. Et voilà, on quitte le quartier du Moulin Rouge. Voilà. Il y a des sex shops. Il y a des sex shops, ouais. Il y a la nuit blanche ouverte toute la nuit.
bière cocktail 6 euros. La nuit blanche, ça va. Hein. Pas très cher. Hein. Ah, il y a du sex shop aussi. Hein. Il y a ce qu'il faut, là. Hein. Il y a ce qu'il faut au sex shop. Alors, celui-là, il est immense. Un sexodrome. Un love store. Eh ben, dis donc. Pour les intéressés, il y a ce qu'il faut. Hein. CineX à côté du McDo, c'est sympa. Hein. Tu manges un McDo, tu finis au CineX à côté, quoi. Pour la digestion. C'est cool. Bon bah voilà les amis, j'ai fini ma petite balade de du soir. Donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Attention sur la route. Si vous êtes en 2 roues, même en 4 roues. Et prenez soin de vous. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Et puis... Allez, bye!